Ok, bienvenue à tous pour cet épisode numéro 2 sur Roller Coaster Tycoon 3, où nous allons continuer le mode carrière, tout simplement. Nous sommes sur Vanilla Hills et nous avons besoin d'attirer des clients, bien sûr. Donc, allons-y. Ok, bon. Alors, voilà. On en était là. Ouais, c'est ça. Donc, eh bien, écoutez, ce que je vais faire maintenant, c'est que je commence à avoir pas mal d'attractions supplémentaires, là. Non ? Oui, j'en ai deux, trois de plus. Parachute, toboggan géant et double roue céleste ! Waouh ! Excellent ! Du coup, eh bien, on va faire pause. On va faire un petit prêt, tranquillou. Et on va acheter tout ça. Tout simplement. Alors, tac, c'est ici. On va faire un petit prêt. Hop, de 10 000. Ça devrait suffire. Et on va construire tout ça. Ici, faire une autre zone. Ici même. Et péter ce ballon. Voilà. Juste pour le fun de péter des ballons. On va me péter des ballons. Alors, il me faut le manège dinosaure que je n'ai pas. Comment on va faire ça? On va faire... Non, on va commencer par les grosses. C'est-à-dire celle-là. Le parachute. Oh, énorme. Mettre l'entrée ici et la sortie ici, bien entendu. Alors après, c'est quoi? C'est double roue céleste qu'on va mettre pas comme ça, mais plutôt comme ça. Qu'on va mettre ici, voilà. Pareil avec l'entrée. Remarque, je suis con, j'aurais dû mettre l'entrée de ce côté plutôt. Oui, mais non, en fait, parce qu'en fait, je vais la faire sortir là et aller jusque là. Du coup, on s'en va les notes, tout simplement. Bon, c'est pas grave. On s'en fout. Alors, ça et ça, je pense qu'il faut que je le construise. Du coup, c'est un peu chiant. Ouais, non, j'ai vraiment la flemme de construire ça. Du coup, bah, je vais pas le faire, c'est pas grave. On va mettre un petit truc d'auto-tamponneuse en plein milieu. Ici, avec l'entrée et la sortie. Ainsi que... Mesdames et messieurs, une maison bizarre, ici même, voilà, et spectacle orque, qui veut voir des orques? Moi? Ah mais non, il faut le mettre dans l'eau, j'ai pas d'eau, donc ce sera pas un spectacle orque, tant pis pour les orques. Ainsi que ceci qu'on va mettre ici, ouais, ça me paraît bien. Voilà. Et normalement j'ai tout. Je peux même rajouter un truc que j'ai déjà mis, mais genre le top spin qu'il y a là-bas. Je m'en remettrai ici, au pire. Histoire de compléter un peu tout ça. Où est-ce que je vais mettre ça? Je peux le mettre là, mais là les gens vont être un peu bloqués pour sortir de l'attraction, je pense. Non, mais je peux tout simplement le mettre ici, hein. Voilà, hop, tout simplement. Maintenant, on va faire les routes pour relier tout ça, hop. Qu'est-ce que c'est que cette route là? Non mais, ça va, oui. C'est dégueulasse, on va mettre ça. C'est quand même beaucoup mieux. Hop. Ainsi que les entrées. Voilà, hop. Hop, non. Là et là. On va faire venir. Les gens vont arriver par là. Ils vont passer par là. Donc là, le mieux, bien entendu, c'est de faire un petit peu une file d'attente comme ça. Pareil pour ici. Hop. Comme ça. C'est excellent. Bon, alors du coup, maintenant, on va juste faire. Hop. Comme ça. Voilà. Ici, pareil, on va faire passer par là. Voilà, comme ça. Et ici, hop. Est-ce que je ferai pas... Ouais, je vais laisser comme ça. C'est un peu chelou quand même.
Là, on va faire comme ça. Hop. Mais non, faut pas que tu ressortes par là. Faut que tu sortes par là. L'ami. Bah écoute, on va rajouter ça ici. Comme ça, je serai sûr qu'il sortira par là. Et là, pareil, on va le faire aller jusque là. Comme ça, c'est à peu près égal, hein, tout ça. Très bien. Maintenant, on va relier avec des routes normales. Hop. Ok, génial. Bah écoute, c'est pas mal comme ça aussi. Éventuellement. Je sais pas du tout, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, hein. Parfait, ça. Hop, comme ça. Pareil, on rejoint ça ici. Comme ça. Là, je vais mettre... cette fois-ci, je vais mettre des trucs au milieu, là. Des trucs de bouffe et tout. Rejoindre ça, bien sûr. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Voilà. Très bien. Fermer ça. Aller jusque là. Hop, remplir tout ça. Et là, je pourrais même mettre... quelques petites bêtises. Comme ça. Voilà. Histoire de mettre des chiottes, peut-être ici, éventuellement. Ou alors de faire un espace de détente. Ici. Avec deux petits magasins. Ou alors j'en fais un là et un là. Comme ça. Comme ça ici je mets des bancs. Oui, mais oui, bien sûr, ça me paraît bien tout ça. Hop. Alors non, parce que du coup le bâtiment je vais le mettre là. Je vais en mettre un là aussi. Éventuellement. Je peux en mettre un là éventuellement, mais je sais pas si ça sera vraiment très utile. La sortie de ça qu'on relie à ça, et ça qu'on relie tout simplement à ça. Voilà, parfait. Et normalement tout est bien, tout est bon. J'ai plus qu'à mettre des trucs de bouffe éventuellement. Bon, un ici. Un. Il y a pas... il doit y avoir un raccourci, mais je le connais pas, ce qui est un peu relou. Un ici. Et on remplit au milieu avec des trucs de boissons et de bouffe, toujours. Hop. Comme ça. Et un truc de boisson de... dans l'autre sens. Histoire de faire quelque chose de... d'un peu symétrique. Tout à fait, tout à fait. Des ballons. Des ballons. Le but c'est de tout mettre de toute façon, hein, c'est pas compliqué, moi je me prends pas la tête. On va mettre un truc de ballon dinosaure ici. Un truc de stand de crème solaire vers un côté précis. On va mettre là, comme ça. Un stand de lunettes de soleil qu'on va mettre comme ça ici. Voilà. Je suis pas sûr qu'il marche beaucoup, lui, hein. Il est un peu perdu au fond, fin fond du milieu de la forêt. Hein. Et un truc d'info qu'on va mettre ici. Hop, voilà, ce sera très bien. On va rajouter d'abord ici, hop, et à mettre un dernier ici. Un truc de bouffe, un autre truc de bouffe ou un autre truc de boisson. Non, boisson, j'en ai déjà deux. On va mettre un autre truc de glace juste là. Voilà, parfait. Excellent. Et maintenant, des bancs. Et oui, tout ça est très répétitif. Hop. Comme ça, des bancs ici. On va mettre un banc là. Un autre ici. Si j'y arrive. Très bien. Sans oublier d'en mettre ici. Ainsi que là. Ainsi que ici. Ainsi que ici, ainsi que là. Il y en a partout. Des bancs partout. Ok, ça devrait aller. Je peux même en mettre. Non, pas là, ça sert à rien. En mettre là, histoire que les gens s'assoient tranquillement. Entre deux attractions. Des lampadaires. Un ici. Un ici. Tac, tac, tac. Un là. Un là,
un au fond, un ici. Voilà. Et quelques-uns ici pour le chemin. Hop. Fort bien, fort bien. Un autre là. Tac, tac. Où est-ce que je peux en mettre d'autres ? Ici, éventuellement. Et je peux en mettre derrière les bâtiments aussi, comme ça. Ce sera très bien. Voilà. Et ici. Et voilà. Normalement, ça devrait aller comme ça. Ça devrait aller comme ça. Très bien. Maintenant, on va augmenter tout ça. Des thunes, des thunes. Je veux les thunes. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'ai augmenté un peu mon prix. Je me suis dit, on va tirer un peu sur la corde. Voir ce que ça peut donner. Je suis sûr qu'ils acceptent de payer genre la masse au final. Les gens sont cons quand même, hein. C'est ça qui est bien, c'est quand les gens vont quelque part pour s'amuser, bah ils comptent pas trop, tu vois. Ils sont là, bon, on est là pour dépenser de toute façon, donc allons-y. On aura rien à perdre. On a tout à gagner. Enfin, j'ai tout à gagner surtout. 4 des lunettes de soleil. Ah, 1,10€, ça va. Franchement, ça va, c'est pas cher hein, pour des lunettes de soleil. Faut pas déconner. Hein. Synchronisation des ballons. Putain, les ballons coûtent plus cher que les lunettes de soleil quand même, faut le faire. Hein. Allez, c'est pas ta pute là. Non mais. Synchroniser les stands de glace. Mais j'avais pas déjà fait ça. J'ai l'impression que si. Mais il y avait pas le truc là pour synchroniser, du coup ça veut dire que bah non. Ça c'est bon, ça c'est bon. Les ballons. Ah, j'ai pas fait ça. Hein? Les ballons normaux, ça c'est bon. Mais ça c'est bon. Truc info, ouais, bah ça écoute, c'est pas fait non plus. Du coup, 1, 2, 3, 4 à 2€ le parapluie. Il y a vraiment des trucs chelous quand même. Moi je dis, c'est bon là, tout ça, ça a été augmenté. Oui, je viens de le faire. Donc tout va bien. Donc normalement, maintenant c'est bon, je devrais gagner encore plus de visiteurs. Ce qui est très bien tout ça. Appelez-moi Magna, comme on dit. Magna des parcs d'attractions. Peut-être, éventuellement. Qui sait, pas moi, en tout cas. Et on ouvre tout ça. Voilà. Hop, ouvrir. Ouvrir. Et ouvrir. Et voilà, c'est très bien comme ça. Et maintenant, allons-y. Allez les gars, il y a plein d'attractions qui ont ouvert là. Vous pouvez le faire, vous pouvez y aller. C'est beau, c'est propre. Bienvenue chez Upland. Allez, dépensez-moi tout cet argent là. Vendez. Ah, c'est fait. Ah, pas quoi. Ah ouais, bah du coup il va me falloir des gardiens quand même. Bon, je vais quand même foutre des poubelles hein, parce que au final, je crois que c'est quand même un peu important. Y a pas des poubelles un peu plus moins dégueu que celle-là hein. Il y en a peut-être, mais pas pour l'instant. On va en mettre un peu partout, là, histoire que les gens soient pas trop dégueux. Et après, je vais rajouter forcément des gardiens pour nettoyer tout ça. Hop. Il va falloir que j'engage plus de gardiens, ouais, ça, c'est sûr. Vu toutes les poubelles qu'il va y avoir, il faut bien les vider. À un moment donné... il faut faire le ménage quoi. Tu vois ce que je veux te dire. Hop. Très bien, ça devrait suffire. Maintenant, on va mettre d'autres petits gardiens. Ils sont où ces cons ? Là. Très bien. Très bien, très bien. Engageons d'autres gardiens du coup. Hop. 1, 2, 3, ça devrait suffire. Voilà. Maintenant, il faut que j'augmente leur petit revenu, petite formation. Une petite formation pour le bonhomme, une autre pour le bonhomme. Hop, parfait, excellent. Ok, normalement ça devrait suffire pour pas qu'ils pensent à fuir mon parc.
à démissionner. Parce que c'est chiant hein, quand ils démissionnent. Moi, je paye pour eux et après ils démissionnent. Si tu veux que je te dise, moi, c'est pas possible, tu vois. Je peux pas vivre dans ces conditions. En bon chef d'entreprise, ce n'est pas possible que les gens démissionnent. Soit je les vire, soit ils sont contents. Ils ont pas le droit de démissionner. C'est ridicule. 751 visiteurs. Ouh. Bon, mais je crois que j'y suis presque. Il me manque quoi? Ah, mais mon valeur de parc est trop basse. Tristesse. J'ai même réussi ça. Bon, maintenant, il faut que je fasse un parc à 100 000 euros. Aïe, aïe. C'est quoi la valeur de mon parc, là? 54 000. Aïe, aïe. Bon. Du coup, on va rajouter des trucs, hein. Le mieux serait que je trouve une grosse attraction, genre à 20 000 boules, quoi. Histoire de... Enfin, à 50 000 boules direct. Comme ça, ce serait fait, quoi. J'aurais une valeur de parc énorme. Énorme. Est-ce que je peux pas, du coup, faire une petite montagne russe qui me coûte une blinde, par hasard? Ou alors plusieurs, peut-être. Alors, y a quoi là-dedans? Y a quoi là-dedans? Voilà, 15 000. Bah, c'est parfait, ça. C'est gros comment, cette merde, là? Ouh, c'est pas mal gros. 15 000 boules. Peut-être faire un petit prêt, mais ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Par contre, si je pouvais, genre, le mettre quelque part... Ouh, ça passe. Ouais, là, ça passe. Où est l'entrée? C'est là, non? Ah, c'est là, en plein milieu des arbres. Ouais, pas cool, ça. Pas cool, ça, pas cool. Et en plus, c'est en hauteur. J'ai l'air bien malin. J'ai l'air bien malin. 15 000 boules. Ça va augmenter la valeur de mon parc. De ouf. De ouf. Tu peux pas test la valeur du parc. Bon, on va faire un autre prêt. Même si je pourrais juste attendre, hein. Mais j'ai pas la foi. J'ai pas la foi d'attendre. Je suis pas patient comme garçon. Allez, hop. Les gars, il me faut... Oh, je peux pas. Plus de 20 000. 13 600. Bon. Eh ben écoute, je suis presque quand même. J'ai combien? 13 600. Au pire, je peux peut-être faire un autre... un autre truc qui me coûte peut-être un peu moins cher. Après, il y en a peut-être d'autres qui sont apparus depuis. Non? Allez, fais pas de la pute! Ah si, la maison des insectes. Parce que tout le monde aime les insectes. C'est magnifique les insectes, n'est-ce pas? Ou pas? Que je vais foutre tout simplement... Mais arrête de bouger dans tous les sens comme ça. Respecte-toi un peu. Enfin... Que je vais mettre là, je pense. Tout simplement. Hop. Hop. Voilà. La maison des insectes. C'est une très mauvaise idée de mettre l'entrée et la sortie ici. Oui, monsieur. On va changer. On va la mettre là. Ou là. Voilà. Très bien. Et maintenant, on va faire un petit chemin. Un petit chemin. Hop. Très bien. Comme ça, les gens, ils peuvent pas sortir. C'est beau, ça. Hein. Non, ça va, je vais juste enlever le lampadaire qu'il y a là. Et normalement, ça devrait le faire. Hop, voilà, parfait. Bien entendu, on n'oublie pas de monter le prix de l'attraction à 2 euros. Hop, on double, tout va bien. On met ça comme ça, et à force, ça va... Le prix de mon parc, il va doubler, tripler. Ça va être la folie. Non? J'ai un autre truc là. Turbulence. Oui, parfait. Excellent. J'aime. J'aime ta façon de faire les choses. C'est beau. On va tourner ça comme ça. Et on va mettre ça ici. Hop. Voilà, l'entrée et la sortie. On va faire une petite file d'attente bien sympathique. Style, comme ça. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, parfait, c'est pas si parfait que ça, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave.
Voilà. You don't know. But that doesn't mean to say that you augmentons ça. Et ouvrons. Hey, nouvelle attraction, les gars. Allez-y, allez-y. C'est pas gratuit, mais c'est bien. Trois quarts charge. Il y a personne qui y va. Tristesse infâme. Bon, en fait, il y a personne qui va dans aucune de mes attractions. Nul à chier. Qu'est-ce que c'est que ça? Y a tout le monde ici, là. Il y a des gens ici, mais il y a pratiquement personne dans celle-là. Là, il y a deux pimpoy ici. Hein. Et personne qui va dans ça. C'est assez infamie. On va foutre des boutiques ici, là. Ça devrait le faire. Hop, on va foutre tout ça ici, à boire, à manger, tout ça c'est moi, c'est par là, c'est offert par la maison, enfin offert. Des dinos masques, hop, et un autre truc de bouffe, on les met bien, voilà, c'est parfait. On met des routes, comme ça, hop, excellent. Ouais. J'avais reçu une grosse somme. Ah oui, en effet. Cool. Cool. Je vais pouvoir acheter un gros truc. Nice. Ainsi que des bancs. Hop, hop. Ah merde. Voilà. Un banc ici, un banc là, un banc là. Des lampadaires. Ici. Oui, c'est pas du tout répétitif. Tout va bien. Ainsi que ici, ici et ici. Histoire de rester à peu près symétrique. Et on ouvre tout ça. On ouvre tout ça, j'ai dit. Hop. On ouvre tout ça et on ouvre tout ça. Et voilà. Excellent. Ah, ça prend feu. Deus mir. Bon, très bien. Et maintenant, on a plein de thunes. Et il faut que j'arrive à 100 000. Hein. Ouais, bah ouais, je sais. Et j'en suis à combien, hein? 59 000, bah ouais. Alors, du coup, on va faire un gros truc ici, là. Qui coûte bien cher, sa race. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Alors, qu'est-ce qu'il me propose, lui? 8 000, 11 000. 7900, non, on va prendre vraiment un truc qui coûte bien 20 000 quoi. J'ai 20 000, j'utilise 20 000. Je vais pas faire genre. Hein. 4 000, c'est tout. C'est tout. Ça va pas ou quoi? T'as pas compris ce que je voulais? C'est ça? Verrouillé. Oh, allez, pas ta pute là. Sois câline. T'as un 1. Bon. C'était lequel là qui coûtait cher? 4500, ça il doit y avoir des trucs rêches, non? 11 000? 16 000, bon. On va mettre celui à 16 000, au pire. Ça va, c'est déjà pas mal. Je pense qu'on est quand même bien. Dans c'était où, c'était celui-là. Aviateur. Il doit être gros un peu, non? Ouais, ça va. Franchement, ça va, ça passe. Motep. Où est l'entrée? L'entrée est ici. On va tourner tout ça. Hop. J'ai pas un peu trop tourné là? Si, je crois. Hein. Ouais, ça passe. Non, mon problème c'est que c'est vraiment haut quoi. Je sais pas si les gens vont y aller. Bah, écoute. Hop. On va faire ça. Et on va mettre l'entrée qui descend tout simplement. Comme ça, hop, on fait descendre tout ça. Tac, 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 et tac. Voilà. On met la route. Pareil. Qui descend. En essayant de respecter un petit peu tout ça.
Voilà, parfait. Parfait, parfait. Bon, t'es pas dans le bon sens, toi. Si tu pouvais être genre. Pas comme ça, ce serait bien. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Comme ça. Voilà. Excellent! Et du coup, bah là, il va falloir que je mette soit une autre attraction qui part ici. Ouais, on va peut-être faire ça. Du coup, on va mettre une autre attraction. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Pff, mais tout ça, j'ai jamais mis, hein, les gars. C'est pas drôle, ça. Ça aussi, tout ça, j'ai déjà mis. Moi, j'ai mis Peanut Butter, là, je sais pas quoi. Ouais, elle est là. Il y en a pas d'autres? S'il vous plaît, faites pas les putes. Bah, je vais être obligé d'en mettre une autre que j'ai déjà mise. Hein. Je vais mettre celle-là, elle a l'air de bien marcher. Elle a l'air de bien marcher, puis en plus, ça coûte bien, bien cher. Catapulte. Et elle est pas trop grosse. C'est bien. On va la mettre là, avec l'entrée ici. Voilà. Si je pouvais en mettre une autre toute petite, 4x4, 3x3. Je peux mettre une autre maison bizarre, mais c'est pas le genre de truc qui marche des masses. C'est un peu relou. Il faudrait que j'en trouve une autre, genre une attraction comme ça, mais en petit. Qu'est-ce que c'est? Le plus petit truc que j'ai là-dessus. Top spin, ouais, mais j'en ai déjà mis deux. Je vais peut-être mettre le manège dinosaure du coup. Est-ce qu'il marche à peu près bien le manège dinosaure? C'est ça la question. C'est ça la question. C'est ouvert ça au moins? Oui, c'est bon. Il est où le manège dinosaure? Qu'est-ce que j'ai foutu? J'en ai pas mis? J'ai pas mis de manège dinosaure? Hein? Terrible! Mais qu'est-ce que je fais? C'est parfait, comme ça on va pouvoir le mettre là. Ou là? Ou là, ouais. Ouais, comme ça c'est bien. Comme ça c'est bien. Très bien même. Allez hop, on fait les routes. Hop. Excellent. Juste raccourcir un tout petit peu histoire de faire une double route ici. Alors j'ai mis ça, j'ai ça aussi là. Hop. Voilà, comme ça. Très bien. Et normalement, ça devrait être bon. J'ai plus qu'à rajouter des trucs de bouffe, etc. 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 Il va vers où lui? Ouais, vers là. Vers là, vers là. Bah écoutez, je vais en mettre un de là. Hop. Je vais mettre aussi. Eh, j'ai un truc en plus là, non? Oh, des beignets! Qui veut des beignets? Moi, je veux des beignets. On aime les beignets. Hop. Un là. Voilà, parfait. Ainsi que. Toujours les mêmes stands de boissons. Parce que j'en ai pas d'autres. Stand de boisson que je vais mettre ici. Très bien. Un autre stand de glace que je vais mettre comme ça. Là, je vais mettre ici, je vais en mettre deux. Pareil, un truc comme ça et un autre stand de boisson. Parce que les gens aiment boire quand tu manges des glaces et des burgers, forcément. Ça donne soif, tout ça. Mettre ici, là, je vais peut-être mettre des trucs aussi. Genre des ballons. Toujours des ballons partout. Hop. Ainsi que un standard shake que je vais mettre là, ici même. Hop. Parfait. Voilà, très bien. Maintenant, on va remplir tout ça de route. Hop. Comme ceci. Comme ceci, comme cela. Attends. Voilà, comme ça. Ah mais là il y a un lampadaire. Suppression du lampadaire. Hop. Et là je vais mettre des chiottes. Ouais. Hop. Très bien. Que je vais faire payer bien sûr 40 centimes. Ou 60. 60 c'est bien aussi. Ça va hein. Ça va eh. Et puis, bah, bien sûr, hein, comme d'habitude, des bancs et des lampadaires. Commencez à avoir le coup de main, c'est bien, bravo. Je vous félicite.
Hop, ici, ici, ici. Ah, attends, j'ai pas fait de route ici. Là. Check, 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 check. Ça, ça me permet de faire un truc un peu sympa. Allez, arrête de m'embêter, toi. Un truc un peu sympa ici, avec des bancs. Hop, comme ça. Voilà, très bien. Là, j'ai déjà un banc. Là, j'en ai mis un là. Ok, c'est très bien. On va mettre un autre petit carré de banc ici. Et des petits lampadaires. Des petits lampadaires. Hop. Hop. Et c'est important, hein, faut pas croire. Hein. Ça attire les gens, c'est important. Hop. Un là. Et ça devrait aller comme ça. C'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est sale, c'est ça. C'est genre ultra sale partout. Bah non, ça va. C'est pas si sale. C'est midi. À moins que je sois pas assez prêt pour voir la saleté. Ouais, bah y'a pas de déchets, y'a pas de vomi, y'a rien. Ouais, il me casse les couilles, lui. Déchets et vomi, moins 600. C'est une blague. Hein. Bon, bah très bien, tant pis, je sais pas pourquoi il me dit ça alors que c'est faux. De toute façon, on va en rajouter des gardiens parce que forcément, ça suffira pas, hein. Faut pas croire, hein. Et on va ouvrir tout ça. Voilà. Hop, ouvrir. Ouvrir. Et ouvrir. Et voilà, normalement, ça devrait quand même... J'y suis presque là, non? J'en suis où là? 90 000, wow! Plus qu'un truc à 10 000 et je suis bon. C'est nickel. Je vais juste engager des gardiens en plus parce que apparemment, je vais aussi devoir engager un mec parce que... Tout simplement parce que je commence à avoir pas mal d'attractions et à 3 ils sont un peu surpassés à mon avis. Donc je vais en mettre un autre. Ainsi que quelques gardiens de plus, évidemment. Évidemment. Hop. Hop. Et hop. Très bien. Et normalement là je devrais. Je devrais être bon là. Tout simplement. Les gens devraient être attirés là. Logiquement. Qu'est-ce qu'ils ont les gens? Pourquoi ils viennent pas ici? Pourquoi ils me disent que je passe, c'est sale alors que c'est même pas sale? Je comprends pas. Là un peu, ouais, ok, d'accord, mais ça va, tu vois. Je voulais me faire un moins 600 quand même, pas déconner. Bon, cet espace c'est quand même celui qui marche le mieux au final. Hein. Celui-là il est un peu plus, moins fréquenté quoi. Oh, si ça commence à marcher un peu. Bon. Ça va, au final ça va. J'ai aux alentours de 800 visiteurs. Moins 600 toujours pour les déchets et vomis, pas savoir pourquoi. Parce que moi j'en sais rien. Mais bon, c'est pas grave. Bon, alors, du coup, il me manque 10 000 genre. 10 000 pour finir tout ça. Bah écoutez. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir acheter à 10 000? Remarque, ça augmente. Doucement, mais sûrement. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un peu. Je vais faire un petit accéléré, je vais vous mettre comme ça. Avec la musique, on va laisser la musique, mais... Ouais, c'est comme ça, je ferai un petit accéléré sur la vidéo, et puis voilà, tout simplement. Ça va être bien. Et voilà, excellent, c'est bon, on a réussi, wouh, nice. Du coup, ben voilà, très bien.
Et c'est sur ce que s'arrête cette petite vidéo tranquille de la première mission sur la carrière de Roller Coaster Tycoon 3. La prochaine fois, on essaiera d'aller un peu plus vite et de faire les choses un peu mieux. Là, j'ai fait un peu, c'est un peu le bordel. Bon, j'avoue qu'il y a des trucs que je comprends pas, du genre pourquoi il me dit que je suis à moins 600 en vomi, etc. Alors qu'en fait, mon parc est extrêmement propre. Mais passons. Du coup, ben, j'espère que ça vous a plu. Et puis, moi, je vais de toute façon continuer à le garder parce que j'aime ce jeu, peu importe. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Tchuss!